Elle croit à la justice en cette période de l'état de droit. La veuve Chebeya réclame la réouverture du procès et la condamnation des assassins de son défunt mari pour qu'elle puisse enfin faire son deuil. Raison pour laquelle elle a frappé à la porte de la primature ce samedi 3 juillet et a été reçue par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Annie Chebeya, qui était accompagnée du président de la Ligue de Zone Afrique de la Défense des Droits des Enfants et des Élèves et du vice-président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, a loué l'essence de coûte du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est une personne que j'ai trouvée serein, attentionnée et qui est... À l'écoute de tout le monde. Je lui ai présenté ma situation et notre vœu, donc la famille, les deux familles, Bazana Fidèle et Chebeya Floribert, pour la réouverture du procès. Parce que pour nous, il y a des assassins qui ont fait des révélations, mais jusque là, on voit que tout est bloqué. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais nous, les familles, nous voulons connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les véritables assassins, qu'ils soient arrêtés, jugés selon la loi, selon la justice, que la justice fasse vraiment son travail. Et en tant que chef du gouvernement, je lui ai demandé donc s'il peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice, parce que nous attendons cette justice. Pour rappel, Floribert Chebeya était un artisan des droits de l'homme, président et fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix et a été assassiné le 2 juin 2010.